la méditation de Joyce Meyer, votre vitamine quotidienne. Chers amis, le verset biblique du jour se trouve dans Psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole, il les guérit et les fit échapper à la tombe. Beaucoup font l'erreur de simplement croire en la guérison plutôt que d'utiliser l'ordonnance que Dieu a préparée pour nous. Sa parole. Ils disent « Je crois en la guérison » sans prendre ce médicament. Comment un médicament pourrait-il être efficace si nous ne le prenons pas ? La parole de Dieu est l'ordonnance qu'il nous prescrit. Elle apporte véritablement la guérison comme un simple médicament. En d'autres mots, le médicament lui-même contient la capacité de produire la guérison. La parole de Dieu contient de la même façon la capacité, l'énergie de produire la guérison dans nos corps. Alors, de quelle façon devons-nous prendre ce médicament ? C'est uniquement lorsque la parole de Dieu entre à l'intérieur de votre cœur et y reste que cela produit la guérison dans votre corps. Une connaissance rationnelle n'y fera rien. Les Écritures doivent pénétrer dans votre esprit à travers la méditation, vous attendant à ce qu'elles produisent la guérison dans votre corps. Mais une fois que la parole a réellement pénétré dans votre cœur, elle apporte de façon certaine la guérison dans votre chair. Laissez la parole de Dieu entrer profondément dans votre cœur aujourd'hui. Prions ensemble. Seigneur, je choisis aujourd'hui de méditer sur ta parole guérissante. Ta parole plantée profondément dans mon cœur. Je sais que ta guérison va commencer à remplir mon corps. Merci d'avoir écouté. Si vous souhaitez recevoir plus d'encouragement de la part de Joyce, abonnez-vous gratuitement à la newsletter mensuelle sur joycemeyer.fr/newsletter. Soyez bénis et à bientôt !